En Australie, un projet d'attentat à la bombe dans un avion a été déjoué à Sydney. Quatre personnes ont été arrêtées la nuit dernière. Elles sont interrogées en ce moment par les autorités. Selon le chef de la police fédérale, il s'agirait d'un complot terroriste d'inspiration islamique. Majid Kiat. La cible était-elle un avion de ligne? Pour l'instant, on ne connaît ni l'âge ni l'identité des quatre hommes arrêtés. Mais les enquêteurs ont multiplié les perquisitions au domicile des suspects à Sydney. Les policiers ont trouvé de quoi fabriquer un engin explosif artisanal. Ils ont une conviction. Un attentat était en préparation. Nous sommes persuadés qu'il s'agit de terrorisme d'inspiration islamiste. Certains d'entre eux sont des loups solitaires qui agissent très rapidement. Et ils sont difficiles à détecter. Mais aujourd'hui, cela semble être un complot élaboré. Ça semble être ça. Ce matin, les mesures de sécurité étaient considérablement renforcées dans l'aéroport de Sydney. Chaque passager fouillé minutieusement. C'est le 13e attentat déjoué en Australie depuis 2014, pays qui est engagé au sein de la coalition internationale en Irak et en Syrie.